Bonjour les confinés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série qui s'appelle Les tours de magie du confiné. Cette série, c'est des tours de magie que je vous fais et que je vous explique. Vous avez bien entendu, je vais vous les expliquer. Si cette série te plaît, tu mets un like et si elle te plaît pas, tu mets un like quand même. Je vais d'abord vous faire la démonstration du tour de magie et ensuite il y aura les explications. Ok alors, j'ai un cure-dent que je prends dans ma main gauche. Je souffle et le cure-dent est totalement disparu. Pour le faire réapparaître, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de prendre comme ça et le cure-dent est réapparu. Vous allez avoir besoin d'un rouleau de scotch et d'un cure-dent. Maintenant que vous avez tout ça, vous allez prendre un petit bout de scotch, un tout petit, comme ceci, pas plus, et vous allez le coller sur le bout du cure-dent. Vous allez le coller de façon à ce que quand vous ouvrez votre pouce, le cure-dent reste collé comme ça. Donc vous ouvrez votre pouce et vous collez le cure-dent comme ceci. Une fois que vous l'avez fait, vous avez juste à fermer votre pouce comme ceci et mettre vos doigts devant pour cacher le bout de scotch. Ce qui fait qu'on croit vraiment que vous tenez le cure-dent. Et quand vous allez le faire disparaître, vous allez passer votre main devant et ouvrir votre pouce. Donc vous passez votre main devant, vous ouvrez votre pouce et vous fermez votre main pour faire croire que vous avez pris le cure-dent. Cette main-là, vous l'ouvrez en entier pour vous bien montrer qu'il n'y a plus de cure-dent. Et là, vous soufflez et vous faites disparaître le cure-dent. Pour le faire réapparaître, c'est un petit peu pareil mais à l'envers. Vous passez votre main devant, une fois que c'est devant, vous ouvrez votre pouce et vous fermez votre main par-dessus et vous faites réapparaître le cure-dent. On va le faire plus rapidement. Vous ouvrez votre main, vous faites semblant de prendre le cure-dent. L'autre main, vous l'ouvrez pour montrer qu'il n'y a plus rien. Celui-là, l'autre main, vous soufflez dessus et vous faites disparaître le cure-dent. Pour le faire réapparaître, on fait pareil, on passe la main devant, on ouvre et on fait comme ça. Et là, le spectateur n'y aura vu que du feu. Et regardez, si vous êtes encore plus doué, prenez un deuxième cure-dent que vous faites passer à travers l'autre. Mais ça, je peux pas vous expliquer comment. Alors, ça t'a plu? Si c'est le cas, mets un like et abonne-toi en activant la cloche des notifications pour savoir quand est-ce qu'il y aura un autre épisode.